Bonjour les amis et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Odyssey. Aujourd'hui on va faire quelques petites choses. Tiens, un petit gibier qui traîne. On va donc monter, on a un point à aller voir sur un temple qu'on n'a pas été chercher. On va aller le chercher tout de suite. Ce sera une bonne chose de faite. Puis après on va improviser, je sais pas encore. Ici c'est là qu'on avait pris la quête du sanglier où j'avais l'épisode qui avait merdé. J'avais pas pu enregistrer donc là je vais le faire maintenant. Hop. C'est vraiment magnifique, hein. C'est super beau à regarder, clairement. Là on l'a trouvé. Parlons bien, parlons peu. On a un Elpenor à aller buter juste au-dessus. Je pense que pour le coup c'est pas déconnant. On va y aller, on n'est pas loin. Je l'aime pas Elpenor, il est temps qu'il meure. Je sais pas ce qu'a fait ma monture, elle a l'air buggée. Ah, tout de même. Et pas trop tôt. C'est parti. Hey. Donc c'est à ça, ça doit être la demeure d'Elpenor, la forteresse d'Elpenor même. Donc c'est une très grosse forteresse, on voit qu'il y a du garde. Deux, trois, quatre, cinq, six. Il a l'air d'avoir du monde. Bon après notre mission c'est juste d'assassiner Elpenor donc au final. On avance. Il y a moyen de faire, je pense, mais je vais essayer de tuer un maximum de mecs parce que j'aime bien tuer des mecs. Alors forteresse de Pharsalos, il me semble que c'est ça le nom. Le lieu sera bien défendu. On va nettoyer un maximum. Il y avait un mec au-dessus. Oh,
Oh les vues sont bouclées. Le voilà qui se cache en pleine lumière. En mode bourrin. Le blanc est peinard, le blanc, c'est lui. On l'a tué. À l'heure. Pourquoi ça ne m'étonne pas? C'était pas lui. Elpenor, sale lâche! Elpenor savait que je le chercherais. Il a utilisé cet imposteur pour m'attirer dans un piège. Quoi? Ne bouge pas! À mort! Monte sur les toits, on prend l'avantage de la hauteur. Arrêtez les conneries. Il y a du monde dans la forteresse, hein. On va la nettoyer, on va prendre le temps. Il va monter. Disparu, on dirait. Ah non, je suis juste au-dessus de toi, mec. Et où le mercenaire? D'accord, il est en dessous. Il y a du monde en dessous. C'est la grosse teuf. On en pousse un. On tue l'autre.
Lui, il faudrait le pousser. Voilà. On en pousse un autre. Toi, on t'enlève ton bouclier parce que tu déranges. Et on te pousse par la même occasion. Toi, on te pousse. On se remet de la vie. Dégage. Dégage. Oh, x2. On peut te tuer, t'as plus beaucoup de vie. Alors, là on nous canarde, hein, y a des mecs un peu partout. On se remet de la vie. Dégage. On t'enlève ton bouclier. Et on t'achève. Un de moins. Ce qu'on peut dire, c'est que le ménage a été fait. Il est combien lui? Oh, c'est un level 15. Je l'ai trouvé. Oula. Essaye de lui enlever son bouclier. Voilà. Voilà notre chance. Allez. Essaye de monter. Ah, j'ai pris du poison, c'est moins cool. Et viens me rejoindre. Dégage. Faut se remettre de la vie. Oh là là là. Dégage. Qui en moins? Ah, normalement je l'ai bousculé, mais ça bug. C'est pas si... Voilà, j'ai retiré son bouclier. On se remet de la vie. Allez, éjecte-le. C'est chaud. La première fois que tu tiens une arme. Remonte. On a l'avantage tant qu'on reste en haut. On va rester en haut. Petite charge de taureau dans ta tête. Toi, je vais te voir.
Ouais, c'est un niveau 16, là ça commence à vraiment se complexifier. Il faut choisir la fuite, je pense. Parce que là on a tué vraiment un paquet. On va se déplacer là-dessus. Alors voyons voir un truc sur la carte, ce qu'il y a à prendre ici exactement. Alors, on a tué le polémarque, ok, on a tué les capitaines, ok, il nous reste 3 ravitaillements à brûler et 3 coffres à pied. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans le temps qui nous reste. Malgré qu'il y a des gars, un mercenaire qui nous cherche. Essayer de trouver les derniers trucs qu'il nous manque. Alors c'est là. J'arrive plus à descendre. Bah là mieux. Son bouclier qu'on voyait pas d'ailleurs, il devait être invisible. Ah, on va fouiller un peu ici. Oh non, ça fait feu. Quel con. Je me fous le feu, alors ça c'est moi tout craché. Encore un autre mercenaire dans le coin, non ça va. Personnellement j'en ai déjà assez sur le dos.
Oh bien, petit coffre. Qu'est-ce que c'était ? Je crois qu'on a fait 2-3 tours de manège gratuits là. De se balader en bas, voir ce qui s'y trouve. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs encore, on va regarder ce qu'on en est. Alors, il nous reste donc un ravitaillement à brûler et 2 coffres à piller. Savoir où ça se cache. Car il y a forcément des endroits qu'on n'a pas trop visités. Je sais pas si on y est passé par là, j'ai un doute. En tout cas ça je l'avais pas récupéré. Je crois pas y être allé par ici.
Dieu ne me parle pas. Où sont cachés les deux autres coffres, hein. J'ai beau chercher avec l'autre qui me colle au bas, c'est pas forcément évident. J'ai peut-être loupé. Après ça, d'accord, j'avais pas récupéré les pièces à côté, ça c'était le trésor précédent. Ça me paraît étonnant aussi qu'il n'y a rien ici. Ah voilà, j'avais oublié ça tout à l'heure. Tunnel pour pas avoir au moins un coffre. Ça aurait été abusé. Venu visiter ici. Est-ce qu'il y a un deuxième étage ou quelque chose qu'on aurait loupé? Ici on pourrait se faire repérer, on va faire gaffe. Là aussi. Ah là il y a un coffre. Voilà, donc il nous reste plus que brûler un dernier truc. Faut encore qu'on trouve d'ailleurs, je vois pas où il est. On tourne en rond, hein, excusez-moi, mais bon bah il faut trouver quoi. Dire qu'avec un mercenaire level 16 qui me suit, je fais très attention. Level 14, hein, là le mercenaire il me prend, il risque de me retourner. Déjà le 15 était très coriace. J'ai dû parce que je jouais en hauteur, je l'ai pilonné pendant une demi-heure avec mon arc. Bien fait de repasser. Un peu de stuff, du matériau. On monte aux étages, hein. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Non.
continue à faire des tours et encore des tours pour essayer de trouver le dernier truc que j'aurais pu oublier. En soi, là, c'est un ravitaillement. J'aurais pas laissé un petit ravitaillement dans le secteur. Et bah non. Ah, il y avait quelque chose là. Des dragues. Des choses à ramasser sur les cadavres. Y'a rien là. Putain. Barre-toi, Carny.
peut-être essayer de l'entamer quand même. Hein. Il commence à me casser les pieds à courir après. Et j'arrive toujours pas à trouver. Ce maudit ravitaillement. Les renforts, merde, merde. Ils arrivent pas où ces renforts, d'accord. Enfin, ils sont tous morts, alors il y aura pas de renforts, je pense pas, j'espère. J'arrive toujours pas à trouver, ça commence à me saouler. Peut-être ici à l'étage. Je me suis caché, pile à temps apparemment, j'ai failli me faire avoir. Allez, monte! Et sans beaucoup d'efforts! Allez, monte! Voilà! Vas-y, vas-y, trace, 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 trace. Barre-toi, il est trop fort pour toi. Barre-toi. Faut vraiment pas mourir maintenant. Non! Ah, ça va. De justesse. Bon, les renforts sont arrivés, je me casse de là. Ça pue. Donc il y a des renforts en ville. C'est dommage hein, franchement j'avais plus qu'un truc à détruire. C'est vraiment dommage. Mais bon, je reviendrai plus tard pour le péter. C'est pas grave, il me reste plus qu'un ravitaillement de guerre à détruire. En tout cas, ça aura fait une bonne session. On aura tué pas mal de choses. Ah non, il y avait un moyen de descendre là directement. Ok d'accord, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Puis ce qu'on peut faire. Faire une petite sauvegarde. Parce que j'ai failli crever quand même. Le niveau 16 me dépouille complètement, littéralement. Les rêves sont liés à lui. Toi on te projette. Toi on te laisse ton bouclier aussi. Grosse blague. Vraiment une grosse blague.
coup il n'y a plus de renfort. Donc du coup on peut retourner chercher le dernier. Je ferais plus la connerie d'allumer un feu hein, vous avez vu. Vous allumez le feu, ça fait venir les renforts directement. Ah, après de multiples recherches, je l'ai enfin trouvé. Voilà, donc là... on peut dire c'est terminé. Et se barrer d'ici une bonne fois pour toutes. Pas besoin d'y revenir. Pour rechercher des trucs. Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je n'aurais pas encore réussi à choper le dernier. Alors il est où? Maintenant dans ma quête, il me dit faut retourner ici, un serpent dans les herbes, ça signale Pénor. Voilà, donc ça on le fera au prochain épisode. J'ai pas eu le temps malheureusement de la finir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut les amis.